Sur cette chapelle ardente pour rendre hommage à feu paul décédé subitement le 2 mars dernier à l'âge de 69 ans. Sa bonne amie, animatrice chroniqueuse Thérèse de Parisien est avec nous. Bonsoir Thérèse. Bonsoir euh, Ça se tient aujourd'hui jusqu'à 19h oui. au Planétarium. Oui. On pourrait se dire que c'est assez inusité pour tenir une chapelle ardente, mais dans le cas de paul ça ne est est pas. c'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Il était fou d'astronomie. C'est un astronome amateur très, très euh, fervent. Puis euh, il aimait euh, tout ce qui était euh, euh, dans le ciel. Je te dirais, il faisait de l'observation énormément. Il y avait un télescope, il y avait même une coupe de télescope. Et il faisait de l'observation et il aimait beaucoup les éclipses. Et c'est sûr que lundi, là, il aurait été probablement à l'endroit sur la Terre où l'éclipse aurait été la plus longue. Parce qu'en 2015, on est partis ensemble pour aller faire un peu de repérage pour son éclipse de 2016. Et on a trouvé le point de chute de l'éclipse. C'était à Hopkinsville, c'est au Kentucky. Et c'est là qu'il avait décidé qu'il serait, <laughs> une année après au mois de mars 2016, pour cette éclipse solaire qui avait lieu là. Et c'était l'endroit où l'éclipse durait le plus longtemps. Éclipse euh, totale. Voilà. Effectivement. Probablement qu'il l'aurait vécu lundi au Québec, parce que c'est ici Clairement. où la, la météo euh, s'annonce la, la plus formidable pour ouais. l'éclipse. Ça fait un mois qu'il est décédé, Thérèse. Est-ce que. Et ça s'est fait de façon très subite. Est-ce que le, le choc est passé? Je pense que le choc n'est pas passé pour personne. Je pense que c'est un choc. Euh, euh, je pense que la, la, la terre s'est ouverte sous nos pieds de, de façon euh, assez euh, impromptue parce qu'on savait qui avait subi une opération, ça avait bien été. Et euh, évidemment, il y a eu des complications après, autre chose. Mais euh, non, je pense pas qu'on se remette tout de suite de ça, parce que c'est un départ un peu précipité. Je sais pas pourquoi, on s'imaginait pas. Je pense aux gens qui sont allés le, le voir euh, aujourd'hui et euh, qui, euh, qui l'ont connu, qui l'ont entendu à la radio, cet homme de radio flamboyant, qui, qui avait quand même euh, un, son, un amour du public, un amour, une passion pour la radio et... Euh, c'est quand, euh, quand même. Je ne sais pas pourquoi on s'attendait à ce qu'il soit là beaucoup plus longtemps. Sur son urne, en Chapelle Ardente, c'est écrit Homme de radio. Euh, oui. Thérèse, pourtant, il a fait plusieurs émissions de variété ici à TVA, Radio-Canada, oui. Télé-Québec. Pourquoi Homme de radio d'abord? Parce que c'est essentiellement ce qu'il était et ce qu'il voulait être. Lui, il aimait l'humour, il aimait ça jouer. Euh, on se rappelle de Fun dans les bois. Il aimait. Il aimait plein de choses, mais sa véritable passion. Puis ça, il me le dit, je sais pas combien de fois. Je suis un homme de radio. C'est la radio qui est ma passion. C'est la radio que j'aime. Est-ce que la radio l'a toujours aimé autant que lui l'a aimé Ça, c'est une autre histoire. Mais lui, c'était vraiment la radio. Cette proximité avec les gens qu'il aimait énormément. Cette façon de pouvoir parler, d'échanger avec des gens, puis d'être là, d'avoir l'impression d'être là avec les autres. C'était vraiment, c'était vraiment un homme de radio. Et c'est un vrai de vrai, il était euh, dans la vraie vie comme on le voyait aussi gentil, bienveillant à, à la télévision ou on l'entendait à la radio. Oui, il était comme ça. Il y avait un petit côté un peu euh, un peu je vous dirais euh, dans sa bulle souvent. Alors il y a des gens des fois qui me disaient "Oh, on a rencontré Paul, puis il, avait... il me semble qu'il était pas jasant. Ben <laughs> ça se peut, il était dans sa bulle souvent. C'était quelqu'un qui était très concentré, puis il y avait et il était toujours en train de d'apprendre quelque chose. Lui là, apprendre quelque chose dans la vie là c'était il s'en faisait un point d'honneur il s'intéressait à tout et ça c'était absolument magique érudit son, son désir de oui. toujours se surpasser son désir de se surpasser son son, son plaisir de se surpasser d'apprendre euh, de vulgariser auprès de d'auditeurs mm -hmm. euh, et puis de, de m'expliquer à moi <laughs> les affaires que je connaissais pas du tout puis quand je connaissais pas quelque chose il était trop content de me, de, de m'en <laughs> parler et il y avait cette façon là mais il y avait aussi euh, cette façon de s'émerveiller. Euh, à un moment donné, là, pour toutes sortes de raisons, il arrivait devant quelque chose, puis il y avait huit euh, ans. Là, un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant. Et euh, ça, j'ai je... trouvé ça extraordinaire de le voir s'émerveiller jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous allez retenir de, de votre travail que vous avez, vous avez fait avec, avec Paul parce que vous avez travaillé de ouais. nombreuses années à la radio? Oui, je vais retenir, je pense que la, le respect du public, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, quand on rentre au travail, on n'est pas toujours. On, des fois, on charrie des choses de la maison. On n'est pas toujours dans des dispositions extraordinaires. Puis, euh, Paul m'a appris une chose c'est qu'on peut bien bougonner un peu à l'extérieur, mais quand on arrive en studio et que la lumière s'allume, il faut avoir du plaisir, il faut être là pour tout le monde et de show must go on. Et on oublie, on laisse tout derrière. C'est la radio qui prime, on parle dans les oreilles des gens, on leur parle, on échange avec eux. Alors c'est ça que je vais retenir de lui. Thérèse Parisien, merci d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. Je sais que ça a été quand même une grosse journée, funérailles demain de aussi. Oui. oui, funérailles privées demain, effectivement. Merci Thérèse. Merci.